était sorti de leur gaine. Donc il y avait le cuivre d'un côté, la gaine de l'autre. Et ça n'a pas pris feu, donc il n'y a pas eu de problème. Enfin, presque pas. Et puis j'étais pas là. J'avais oublié de le dire. Comme c'est un chat que... Voilà, puis j'avais la première PRP qui avait dû naître ou quelque chose comme ça, donc je venais moins souvent. Donc, quand je suis venu, j'ai vu le désordre. J'ai dit où est-ce qu'on m'a mis mes prises de courant. Et les prises de courant le grand, là, des boîtiers de 4 prises, ben, y avait plus. Et les câbles, c'était en triste état. C'était un peu déchiqueté. Et sur le mur, il y avait des traces de cuivre. Mais des projections. Enfin, ouais, de la projection de. On aurait dit qu'on avait fait de la soudure, mais quelque chose de bien. Voilà, donc j'ai une fois comme ça, puis une autre fois du même genre. Peut-être un peu moins fort, mais j'avais d'autres stations électriques qui avaient pris des coups aussi. Et puis les coax aussi encore. Et qu'est-ce qu'il y avait eu encore? Je sais plus. Enfin, j'étais pas là non plus. Donc, je pense que l'intérêt, c'est de ne pas être là. Ou de se planquer là où il n'y a pas trop de fil, ou pas trop de câbles, ou pas trop de matériel. Bon, les transceveurs, dans les deux cas de figure, je crois que les transceveurs, j'habitais à Nantes, ou je ne sais plus où, à cette époque-là. Non, à Rennes. Ah non, dans le coin. Et souvent, je prenais les transceveurs avec moi. Je ne les laissais pas dehors, donc c'est pas une pépin de ce côté-là. Ah oui, j'avais un pré-ampli. J'avais un pré-ampli qui était foutu d'ailleurs. Un pré-ampli qui était posé sur une table, qui n'était pas connecté. Il n'y avait pas de prise de courant. Il n'y avait pas de coax chaud de brancher dessus. Il n'y avait pas d'alim. Vraiment le boîtier pré-ampli métallique, là, mais il était ouvert quand même. Que j'avais un transistor que je devais changer. Et là, bah, ça avait amorcé. Le transistor était pété, mais...